Salut à tous les amis, c'est Popitox et j'espère que vous avez tous la forme aujourd'hui. On se retrouve pour l'épisode pour l'épisode 4 de A Tale Plague Innocence, un truc comme ça. A Plague Tale, voilà, A Plague Tale Innocence. Donc c'est parti. On va aller voir le petit. Alors si vous entendez du bruit derrière, c'est normal, c'est le ventilo. Je ne peux pas vivre sans, hein. Bien sûr, il fait très très chaud en ce moment, vu que c'est l'été. Ça va, t'as pas froid? Un peu, si. Ça a pas l'air de gêner Hugo. Au moins, il se réchauffe. Ouais, mais... là, il s'éloigne trop. Alors, on sait pas s'il y a des nids de rats ou pas, mais bon. En plus, il court vite. Où est-ce que tu vas? Hugo. Il est parti où? Putain. Regardez, je suis un chevalier. Un bouclier anglais. Où as-tu trouvé ça? Là-bas, c'était par terre. Repose ça. C'est pas pour les enfants. Non, t'es pas drôle. Allez, avance. Tu sens cette odeur? Oh, oui, ça sent mauvais. Ouais, c'est horrible. Ah, monsieur, Lucas, venez voir, vite! Qu'est-ce qu'il y a? Oh mon Dieu, ils sont tous morts? On ne peut pas continuer. Amicia, il faut qu'on suive la conduite. Traverser le champ de bataille. Oh, c'est pas vrai. Amicia, on va leur marcher dessus? Je sais, Hugo, mais on n'a pas le choix. On leur fait mal, tu crois? Avance, Hugo. Avance. C'est horrible. Marcher sur des corps là. Et s'il y a des lumières, c'est pas pour rien. Qu'est-ce qu'il y a? Je me sens pas bien. Ne regarde pas. Concentre-toi sur l'aqueduc. Oh, qu'est-ce qu'il a ce cheval? Lucas? Oh putain. Je sais pas. Oh! C'est pas vrai. Des rats. Putain. Je
Voilà. Il y a des gens partout là-bas. Il y a des gens. Ce ne sont pas des soldats. Un fou, quoi. Ils faisaient quoi? Ce sont des pillards. Ils cherchaient des choses à voler. Mais pourquoi? Pour survivre, sans doute. Comme nous. Ouais. C'est horrible. Je vais en fabriquer encore. Un coup de main? D'accord. Allez. Je pensais pas que ce serait si dur. Hugo, il va falloir que tu traverses. Mais je peux pas, il y a des rats partout. On doit ouvrir un chemin. Voilà, c'est bon. Tu peux y aller. Oui, oui. Oh, fais attention. Aide-moi avec ça, tu veux? Pas de problème. Allez. J'ai besoin que tu le fasses. Oui. C'est bon. J'ai réussi. Viens. Reviens. Allez. Voilà. Oh, mes bras, ils sont tétanisés. Bien joué tous les deux. Cassez-vous, hein. Rat de merde. Dans les herbes, vite. Il faut pas qu'il nous voie. Amicia, sa lanterne. Oui, j'ai compris. Il arrive. Les lanternes des ennemis peuvent être simples de confondre. Ok. C'était quoi? Hein? Voilà. Oh mon dieu. C'est horrible. Mais ça a marché. Il y a trop de rats. On est coincé. Mais non, t'inquiète. Hein. On n'est pas coincé si je fais ça. Voilà. Qu'est-ce que je peux fabriquer? Ben, je peux rien fabriquer pour l'instant. Ah, y a un truc par terre, c'est quoi? La pierre. Ok. Vas-y, monte. J'arrive. Par où on va passer? Ils sont partout. Je passe devant. Bien. Je sais pas par où on va passer, mais faut que je regarde un petit peu les alentours. Là. Il
Ok. Voilà. J'ai compris. On va pousser ça. Je vous aide. Attention, ne te brûle pas. On fait trop de bruit. Ils vont nous repérer. Qu'est-ce qui se passe encore là-bas? Oh non. Vous auriez jamais dû venir. Voilà. Aide-moi à pousser. Très bien. Voilà, c'est bon. On va continuer sans. Venez. Mais tiens le mieux que ça! C'est dégueulasse ton truc! Ah, ça va, je veux juste ses dents! Ouais, quand même! Ben quoi? Il faut que continue à suivre l'aqueduc, Amicia. Mais il y a des rats partout! Ouais, chut, raison. On va trouver une solution. Là-bas, une torche. Si j'y vais seul, j'ai une chance. Ah, chier, j'y arrive pas! Attendez ici, je reviens. Pas de problème! En vrai! Ah, bordel, j'en ai un autre! Vous avez perdu la foudre que nous a charmé sur un cadavre. Hey. C'était rien. Qu'est-ce que je viens de voir? Ramenez-vous! Oh putain! Oh merde! Faut que je le suive en fait. Rien de mieux à foutre que vous acharnez sur un cadavre. Ah, bah voilà. Enfin. Tout ça pour ça. Et alors, tu vas en faire quoi? Bah, je sais pas, je verrai bien. Allez, allez, je te rejoins. Voilà. C'est bon. On va monter. Viens. D'accord. Pas de bruit. Bon. Viens par là. Ils ont des bâtons dans le ventre. Ne regarde pas. Essaie d'ignorer tout ce que tu vois ici, Hugo. On va fabriquer. Enfin, on va les casser. La tour. Oui, j'ai vu. Restons pas là. Allez, rentrez, vite. Voilà. Oh non. Amicia, il faut pas sortir. Mais ça vous amuse? On est obligé de pousser. Oh non! Hey!
torche. On fera sans, Amicia. Quoi? Comme ça? Voilà. Maintenant, tu vas l'écraser sur son visage. Mais t'es fou! Lucas! J'espère que tu sais ce que tu fais. Très bien. Sois prudente. Il dort vraiment? Oui. Pour un moment. Merci. Ça va nous sauver la vie. Putain. Une autre machine. Elle a l'air un peu... différente. Est-ce qu'on peut la bouger? Je vais essayer. Tu peux t'en charger? D'accord. Voilà. J'ai besoin que tu le fasses. Je peux pas. Tu peux le faire? Non, je peux pas. C'est normal, c'est pas allumé. Tu peux t'en charger? Tu veux bien y aller? Voilà. Vous avez réussi. C'est Hugo qui a fait le plus dur. Moi, je veux juste qu'on parte d'ici. Moi aussi. Allez, on n'est pas encore au bout. Oh. Oh là là. On va devoir passer en dessous. Il y a du feu derrière ce chariot. Ouais. Voilà. Je peux rien fabriquer. Pour l'instant. Oh putain, connard de rat. Juste parce que je voulais esquiver et je me suis trompé de touche. Oh ta mère. Pas grave. On va devoir passer en dessous.
Michel. Tenez-vous prêt. On va devoir rester dans la lumière. Allez, allez. On le retient pas? Non, cours. Je suis pas sûre là. Pour l'instant, ça marche. Bon, eh bien, ça a marché. Voilà. Plus de soldats. Là, sur la tour. Ce sont des... Oui. Des corps. Quelle horreur. Ah. Ah. Des guerpissés qu'on aura. Bon. Je vais t'aider à monter. Je peux pas. Amicia. Qu'est-ce que tu as? Ma tête. La macula. On va sortir de là. Hugo? Hugo! Pense aux grenouilles. Tu te souviens comme elles sautaient? Tu courais après. Allez, viens, on va en chercher d'autres. Oui. On doit s'en aller d'ici, Amicia. Oui, on va s'en aller. On va quitter cet endroit. Hein. Voilà. Oui, mais on n'a pas le choix. Courage, les gars! Je sais que vous êtes fatigués. Je sais qu'on n'est pas assez nombreux. Et je sais aussi qu'on aimerait être loin de ces putains de rats. Mais ce sont nos morts. Ça aurait pu être vous. Et vous auriez voulu qu'on vous offre une sépulture décente. Ils sont morts pour l'Angleterre. Allez! La tuyelle est à nous! Ah putain. Allez, venez. Ah bleh. PDA. Putain. C'est bien à cause de ces PD d'enfants aussi là. Putain. Compliqué tout ça. Ils sont vraiment nombreux. Oui, mais on n'a pas le choix. Mais ce sont nos morts. Ça aurait pu être vous. Et vous auriez voulu qu'on vous offre une sépulture décente. Ils sont morts pour l'Angleterre. Allez, la tuyelle est à nous. Allez. Amicia. Fatigué. Regarde, on voit des arbres à nouveau. Je pense qu'on arrive au bout.
Enfin. Vous êtes seul ? Attention. Réponds, salopard. C'est ma sœur, sale chien. Laisse-nous partir maintenant. Laisse-nous et on reviendra plus. Hé hey ! Et eux alors ? Tu leur dis rien à eux ? Hé ! Hey ! Maintenant ! Oh, bien ! Fichons le camp d'ici. Viens, on les suit. Là-bas ! Ils s'enfuient ! Oh là. Lâchez-moi. Oh non. Chapitre 6, marchandises endommagées. C'est l'heure de la pitance. T'as de la chance, tu sais. Les pillards comme toi, on les crève sur place sans discuter. Mais moi... moi, j'ai l'œil pour ces breloques de nobles. Heureusement pour toi, j'ai plus le goût de l'or que le goût du sang. Lady de Rune. Où est mon frère ? Hé ! Il va bien. Mieux vous vous portez, plus gros c'est la rançon. D'ailleurs, j'y suis peut-être allé un peu fort. La rançon ? Qui l'a payée ? Tu verras bien. T'es plus chez toi, gamine, alors sois sage, c'est compris ? Sale chien. Bon. Moi c'est Millie, l'autre c'est Arthur. Tout ça c'est votre faute. Où est mon frère ? Pas loin, baisse la voix, tu veux ? Ces chiens ont pris ma fronde, t'en as pas besoin. Bon, du coup les amis, j'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner et bien sûr faire ce que vous voulez. Je vous fais très très gros bisous et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode sur A Plague Tale Innocence. Bisous les amis.